Eh bien, salut tout le monde, les amis. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo un petit peu particulière, car vous allez peut-être reconnaître pour certains, en tout cas reconnaître plutôt le fait que nous ne sommes pas dans notre lieu habituel. Où sommes-nous aujourd'hui? Nous sommes à Nantes. À Nantes pour découvrir la ville. Pendant 15 jours, j'y suis. Donc, l'occasion pour moi de tourner quelques vidéos, de découvrir la ville. Découvrir ses nombreux ronds-points, visiblement, il y en a énormément, du peu que j'ai vu. Et du coup, nous on est parti pour découvrir cette ville. Il est 23h50. On va pas découvrir grand chose à cette heure-ci, mais en tout cas, on va travailler. On va suivre d'ailleurs, ils se sont trompés de route. Bon, fallait bien se tromper, fallait prendre la route en bas. Et moi j'ai pris la route en haut, c'est pas grave. Comme on dit, toutes les roues mènent à Rome. Du coup, on est parti, les amis. On va sûrement se tromper de route, on va découvrir, un petit peu compliqué, mais c'est pas grave. On est parti avec une commande à 6€ pour commencer. Je l'ai signé depuis direct mon Airbnb. Le design est énorme. Et on va passer par le quai Moncousu. Et un tramway, tiens. Donc les tramways continuent de circuler. Je sais pas à quelle heure ça s'arrête ici. En tout cas, on va sûrement se prendre des bordures, on va sûrement se tromper de route, on va éviter de se prendre des poteaux, et on va surtout faire de l'argent. On dirait un petit peu un hôpital de jeux vidéo avec le truc urgence là. En fait, j'ai compris pourquoi je me suis trompé de route. En fait, il y a une sorte de route express en bas vers l'eau là, vers la Loire, et moi je suis passé au niveau de où est-ce qu'elle est. Minute pile chez le client. Ça roule bien dans la ville, franchement, pour une grande ville entre guillemets, ça roule bien. Là il y a une sorte de mini tunnel. Ah, le tramway passe en dessous, c'est un tunnel de fou. Je suis à 70 au lieu de 50, ça va. Bon les amis, nous arrivons dans 500 mètres. Dans 500 mètres à l'adresse du client. Ah j'ai froid moi. J'ai la clim un petit peu pour la GoPro qui ne surchauffe pas. Et elle est déjà chaude en plus. Horrible cette GoPro. Du coup j'ai froid. Le feu est très bon par contre. Il est passé vers pour les piétons. Ouais, vers pour nous. C'est parti. Alors par contre, je dois rouler. J'ai failli aller sur la mauvaise route. J'ai failli aller en contresens. Ouais, peut-être éviter quand même. Ça va 500 mètres, 450. Première commande de pizza et je ne sais pas si on va retourner vers le centre de Nantes pour l'instant ou alors on va au McDo 24-24. Parce que oui, j'ai vu qu'il y a un McDo 24-24 et je crois qu'en plus on n'y est pas très loin. Je sais plus où est-ce qu'il est. Je crois qu'il est là. Ah oui, il est là. Bon, on est à mi-route environ. Ah, je me tâte. Alors, boulevard de la Fraternité. Quelque part ici, et il est minuit en plus. Donc, le GPS m'avait dit arrive à minuit, et on a à l'heure 68. Client à Nantes. J'ai même pas de carte de visite, c'est dommage. Allô? Oui, bonsoir, c'est Livre, je suis devant. Ça marche, j'arrive. Merci, à tout de suite. Je suis mis à l'arrache, mais moi je suis sur le côté.
Hey les amis. Je la valide tout de suite. Et 6 euros dans la poche. 6 euros in the pocket. Ah bah tiens, on a quelques zones qui se sont affichées par ici. On a toujours la zone du centre. On a 6 zones autour là. McDo, Burger King, Otakos. Ah bah il y en a 4 qui viennent disparaître. Chicken Street. McDo 24-24 il y est hein, pour l'instant. Je vais sur ce qu'on fait. En vrai, je pense qu'on va retourner vers le centre. Oh, je sais pas. Je me tâte. Bon, je reprendrai chez une commande, je fais un petit tour et puis je reprendrai chez une commande. Bon, bah les amis, pour l'instant, je balade, il n'y a rien pour l'instant. Franchement, je visite. Je fais le tour dedans, je regarde comment c'est, je regarde comment on peut circuler, je me balade. Et là, on arrive, on est sur l'île de Nantes. Bah, elle est hyper grande, l'île de Nantes, on dirait une ville. Le bus, il a l'air de circuler jusqu'à tard ici. Ils sont vides. Du coup je me balade, là je suis parti voir un resto qui est en rouge, je sais pas s'il y est encore. Ouais il est encore en rouge. Donc, je suis parti voir s'il y avait des commandes. Là-bas, on verra. Maintenant je vous fais une petite compilation depuis tout à l'heure. Des plus beaux endroits de la caméra. Bon du coup les amis, depuis tout à l'heure j'ai absolument rien. Du coup bah, on n'aura fait que 6 euros pour ce premier shift à Nantes. Un premier chiffre nocturne, on va dire que c'est plutôt un chiffre découverte de la ville, en mode on fait un petit tour, on se balade un petit peu, ce sera un chiffre du coup assez court. Mais bon, moi j'aurais visité un peu la ville. Et du coup nous les amis, bah, je vous dis à très vite hein, pour la suite des aventures sur Nantes, parce que là, aujourd'hui, elles ont été assez courtes. Allez, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et nous on se dit à très bientôt. Ciao ciao.